Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vais pouvoir vous expliquer un nouveau tour de magie avec des cartes qui s'appelle l'inversion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le présenter, ensuite je vais vous l'expliquer. Donc ici j'ai un paquet de cartes complètement mélangées et je peux le remélanger sous vos yeux. Comme ceci. Un mélange américain. Comme ça nous permet d'avoir un jeu complètement mélangé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire choisir votre carte. Enfin, choisir entre parenthèses. Je vais vous faire prendre la première carte du paquet, 8 de pique. D'accord? Vous la retenez parce que c'est votre carte. Donc le 8 de pique, ce que je fais, c'est que je le prends et je le mets à ma droite, donc à votre gauche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième carte du jeu. En l'occurrence, Dame de cœur. D'accord? Celle-là, ça va être ma carte. Donc je la prends et je la mets à ma gauche, donc à votre droite. D'accord? Maintenant, à l'aide de ce petit accessoire, donc une bague. Cette bague est magique parce qu'il se trouve que si je pointe ma carte, que je fais tourner ma bague sur ma carte, il va y avoir un pouvoir qui va rentrer dans cette bague, et si je la fais tourner autour de votre carte, il se trouve que les cartes ont changé de place. On se retrouve tout de suite pour les explications. Donc pour ce tour, vous avez vraiment besoin d'un paquet complètement mélangé, c'est pas là-dedans qu'est le trucage, sauf qu'ici, vous allez avoir une petite préparation au début du jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir deux fois une carte au hasard. Donc moi j'ai pris la dame de cœur, ça peut être le 7 de pique ou autre chose. Vous allez avoir une fois votre carte double au début, ensuite vous allez mettre la carte que vous allez faire choisir à votre spectateur, puis le deuxième double de la carte du début. Donc voilà, donc moi j'ai pris la dame de cœur et le 8 de pique, mais ça peut être très bien le 9 de trèfle et le 3 de cœur par exemple. Donc voilà, une fois que j'ai fait cette préparation là, je mélange le paquet, mais je fais bien attention à ce que mes trois cartes restent en haut du paquet. C'est-à-dire que quand je mélange, voilà, il y a toujours mon paquet de trois cartes qui reste au-dessus. Et donc au final, mes trois cartes sont toujours au-dessus du jeu. Donc je n'ai absolument pas mélangé ma préparation. Maintenant, vous allez venir faire une levée double, c'est-à-dire que vous allez prendre les deux premières cartes du jeu pour dire à votre spectateur que sa carte, c'est le 8 de pique. Ensuite, vous allez retourner votre levée double et prendre la première carte, la vraie première carte du paquet, donc la dame de cœur, que vous allez poser à votre droite. Maintenant, vous allez refaire une levée double pour prendre la troisième carte du jeu, en l'occurrence, dame de cœur, la même carte qu'on avait ici. Vous allez dire que ça, c'est votre carte, que vous la prenez et que vous la mettez à votre gauche. Donc maintenant, bien entendu, ici, vous avez encore votre dame de cœur, mais le public n'est pas censé savoir. Donc, au cas où, coupez votre jeu discrètement pour pas que ça se voit. Pour que si on vous dise que votre dame de cœur est en double et qu'elle est au début du jeu, vous leur montrez qu'il n'y a plus la dame de cœur. Maintenant, votre préparation est faite. Vous avez ici les deux cartes qui sont inversées. Moi, j'ai pris l'astuce de la bague, mais vous pouvez faire ce que vous voulez pour mettre en scène un petit peu un mélange de pouvoir magique en quelque sorte, un truc paranormal, pour dire que les deux cartes sont inversées. Donc moi, j'ai dit que j'imprégnais la bague du pouvoir de cette carte, que je le transférais sur cette carte. Donc vous faites n'importe quel procédé, et à la fin, vous révélez que les deux cartes se sont permutées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!